1 Pierre chapitre 5, chapitre 5, 5 verset 6, chapitre 5, verset 6. On va lire la parole. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pour qu'il vous élève, au temps convenable. Au temps convenable. Ce soir, le Seigneur nous parle. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable pour le Seigneur. Pour qu'il puisse t'élever. Pour qu'il puisse t'élever. Pour qu'il puisse t'élever. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Nous sommes au temps convenable. Nous sommes au temps convenable. Où Dieu va nous élever. Où Dieu va élever beaucoup de personnes. Parce que Dieu a dit, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Descendez d'abord. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'obscur, dans l'ombre, qui étaient derrière, qui étaient dans humilié. Tu t'es vraiment humilié devant la face du Seigneur. Tu t'es rendu petit depuis toutes ces années-là. Tu t'es humilié devant le Seigneur par les jeûnes, par des prières. Tu t'es humilié. Tu étais derrière. Tu étais vraiment loin derrière. Complètement humilié. Tout ce temps-là, c'était le temps d'humiliation où tu dois rester derrière, où tu dois essuyer certains échecs. Ou c'était mépris. On t'a méprisé. Tout ce temps-là, tu étais derrière. Tu étais derrière. Tu t'es humilié. Les gens t'ont mis en bas. Les gens t'ont mis en bas. Mais Dieu dit, il y a un temps où on est dans l'humiliation. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons comme humiliation, ce sont les vraies semences. Ce sont les vraies semences pour Dieu. Maintenant, au temps convenable, ça va porter maintenant le fruit. Au temps convenable, Dieu maintenant va te lever. Dieu va te lever maintenant. C'est le temps convenable de Dieu maintenant. Pour toi, pour moi, c'est le temps convenable. Pour ton élévation, c'est le temps convenable. C'est le temps convenable où tu vas élever, où le Seigneur va t'élever. C'est le temps convenable. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, pour moi, je ne veux pas rater cet temps. Je ne veux pas rater cette occasion. Parce que c'est le temps pour moi. Et c'est le temps pour toi qui est resté dans l'humiliation, dans l'ombre, pendant des années, pendant de nombreuses années. Maintenant, le vent du Saint-Esprit, le vent du réveil, souffle maintenant. C'est le temps convenable pour toi maintenant, pour que tu sois élevé. C'est le temps convenable pour toi maintenant, pour que tu sois élevé maintenant. C'est le temps de l'élévation pour toi. C'est le temps de l'élévation pour toi. Je prie le Seigneur. Le Seigneur me dit de dire cette parole, de prononcer cette parole pour beaucoup de personnes qui vont m'écouter, vous qui m'écoutez, vous qui êtes ici. C'est le temps pour vous. C'est le temps convenable pour vous. Où Dieu va vous élever. C'est le temps convenable maintenant. C'est le temps convenable maintenant. Où Dieu va vous élever. Dieu va vous faire sortir de la cachette
là où vous étiez caché là-bas, là où vous étiez méprisé, là où vous étiez en arrière, c'est le temps convenant. Je te dis, mon ami, de la part du Seigneur, c'est le temps convenant pour toi, pour que tu sois élevé. C'est le temps convenant pour toi, pour que tu avances, pour que tu avances, pour que tu avances. C'est le temps convenant, c'est le temps convenant. Je te l'annonce de la part du Seigneur, pour moi, pour toi, c'est le moment, c'est le moment. Dites avec moi, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le temps convenable. Dites avec moi, c'est le temps convenable, c'est le temps convenable, c'est le temps convenable. Dites avec moi, c'est mon temps convenable, c'est mon temps convenable. Je te dis de la part du Seigneur, c'est le temps convenable, c'est ton temps convenable, pour que tu avances, pour que tu progresses, pour que tu évolues, pour que tu avances, pour que tu avances. C'est le temps convenable, c'est le temps convenable où Dieu va t'élever maintenant, où Dieu va t'élever maintenant. C'est le temps convenable, c'est le temps convenable. Je vais dire ça aux gens ici, je vais dire ça même à moi-même. C'est le moment, c'est le moment maintenant, c'est le temps convenable maintenant, c'est le temps convenable, c'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu, pour que Dieu élève, pour que Dieu élève, pour que Dieu élève. C'est le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Il y a toujours un temps convenable, il y a toujours un temps convenable où Dieu va élever, où Dieu va faire sortir de là où tu étais, dans l'obscurité là où tu étais, dans l'ombre là où tu étais, caché là où tu étais. C'est le temps maintenant, c'est le temps convenable où Dieu va te faire sortir. Dieu va te faire sortir. Si les gens t'avaient mis en arrière, les gens t'avaient mis par terre, maintenant, maintenant, c'est le temps pour toi de te lever, d'avancer, de lever la tête. C'est le temps de lever la tête, de progresser, d'avancer. Je crois, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. C'est un temps convenable. C'est un temps convenable pour que tu avances, pour que Dieu te lève, pour que tu évolues, pour que tu progresses, pour que tu progresses. C'est ce temps-là. Dieu Tout-Puissant, en chaque circonstance, en tous les temps, il y a toujours des temps convenables. Quand on lit le livre des juges, le livre des juges, chaque fois, il y a eu une grande crise. Chaque fois, il y a eu une grande crise. Dieu s'est servi de cette grande crise. Dieu s'est servi de cette grande crise pour élever certaines personnes. Dieu s'est servi de cette crise pour élever certaines personnes. De la même façon, le monde est dans une grande crise. Dieu maintenant, c'est ce temps-là où Dieu va prendre les gens qu'il avait mis de côté, les gens que Dieu avait réservés. C'est ce moment-là maintenant, c'est ce moment-là maintenant, Dieu va les élever maintenant. Dieu va les pousser en avant. Ils vont monter. Je te dis de la part du Seigneur, c'est par la grâce du Seigneur, je vais briser la chose qui te retient, qui te retient. Je te dis, c'est le temps convenable, c'est le temps convenable pour toi pour avancer maintenant. Toi-même tu hésites, tu hésites, tu dis non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment. Je te dis, tu étais dans l'humiliation, tu étais caché depuis longtemps, tu étais derrière depuis longtemps. Maintenant, comme on a lu dans la Bible, c'est l'élévation pour toi. C'est le temps convenable pour toi maintenant. Que Dieu t'avance, je t'élève, je t'annonce de la part du Seigneur,
le temps pour toi, le temps pour toi, le temps pour moi, pour l'élévation. Ce temps-là, l'heure-là a sonné maintenant. L'heure-là a sonné maintenant. L'heure-là a sonné maintenant. L'heure-là a sonné maintenant. Pour toi, ça a sonné. Pour toi, ça a sonné. L'heure de l'élévation, l'heure d'avancer, l'heure de progresser a sonné maintenant. Je te dis de la part du Seigneur, personne ne va t'arrêter. Personne ne pourra plus t'arrêter. Personne ne va m'arrêter. C'est terminé. C'est l'heure c'est l'heure de l'élévation. Ton temps a sonné, mon ami. L'heure pour toi a sonné. L'heure pour toi a sonné. Le temps où Dieu va t'élever. Dieu va t'élever a sonné. Je vais conclure ce premier point. Je dis encore de la part du Seigneur. Dans toute la Bible, dans toute la Bible, quand il y a eu grande crise dans le monde entier, Dieu a distingué, Dieu a distingué, a levé ses enfants qu'il avait préparés depuis longtemps. Joseph, il était dans l'ombre. Il fallait cette famine. Il fallait cette crise de famine dans tout le monde entier pour que les gens viennent. Viennent maintenant. Viennent vers Joseph. Pour que Joseph, ses compétences, ses qualités, sa gestion soit connue de tout le monde, pour que tout le monde le voit, pour qu'il soit à ce niveau là cette crise là est venue révéler Joseph. Je te parle de la part du Seigneur. Cette crise du pandémie de coronavirus est venue maintenant où beaucoup de personnes vont être levées comme ça. Beaucoup de personnes vont être levé comme ça. Le Seigneur va lever beaucoup de personnes. Il va lever beaucoup de personnes. C'est le temps de Dieu. Il l'a fait avec Moïse. Quand il y a eu grande crise, les enfants d'Israël pleuraient devant la grande souffrance. La grande souffrance en Égypte. Mais c'est là maintenant. Dieu a levé. Moïse a levé. Allez maintenant, Moïse. Pour que Moïse passe là-bas. Pour que tu sois élevé. Pour que tu sois élevé. Deux fois, il faut que des crises soient là. C'est au travers des crises que tu seras élevé. Je te dis de la part du Seigneur. Ton heure a sonné maintenant. Ton appel est clair maintenant. Ton appel est clair maintenant. Je t'appelle maintenant. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Même moi-même. Je sens cette force-là, cette puissance-là, cette onction-là de Dieu sur ma vie. Même sur ta vie, même sur ta vie, qui me dit, c'est le moment convenable, choisi par Dieu pour l'élévation. C'est le moment convenable, choisi par Dieu pour ton élévation. Ton élévation arrive. C'est ton temps d'honneur à sonner. Alléluia. Alléluia. Ton honneur à sonner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième point. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Ézéchiel aïe fanwer agnient bati. La Bible dit. La Bible dit. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Alléluia. Et ce sera une pluie de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous n'aimez pas les bénédictions. Amen. Comment ça? Une parole comme ça. Amen. Une parole comme ça. Et tu entends cette parole. Je suis ça, je me lève. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit, je ferai d'elle.
et de ses, des environs de ma colline, de montagne. Un sujet de bénédiction. Maintenant, voici la promesse du Seigneur. J'enverrai la pluie en son temps. Ce sera une pluie de bénédiction. Je vais envoyer au temps convenable, au bon moment, au bon moment. Je vais envoyer une pluie. Mais ça ne sera pas la pluie que vous connaissez, mais une pluie de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oh, je te dis ce soir, je te dis ce soir, c'est le moment convenable. C'est le moment convenable. C'est le moment convenable. C'est le moment convenable où Dieu envoie la pluie. La pluie. La pluie de bénédiction. Alléluia. La pluie de bénédiction. Pas des gouttes de bénédiction. Pas une bénédiction, une bénédiction. Non. Des pluies de bénédiction. Des pluies de bénédiction. C'est le moment convenable. C'est le moment convenable. Dieu tout puissant. Dans toute la Bible, Dieu agit de cette façon. Quand il y a une grande crise, pour rassurer ses enfants, dans cette crise-là, qui a touché tout le monde, pour que Dieu calme tous les enfants, pour que Dieu nous parle, pour que Dieu te parle, pour que tu sois rassuré qu'il est avec toi. Dans toute la Bible, quand il y a une grande crise, Dieu envoie. Il envoie pour ses enfants des pluies, des pluies, des pluies, des pluies, des pluies de bénédiction, des pluies de bénédiction. C'est le temps convenable, c'est le temps convenable pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour toi, pour toi. C'est le temps convenable, c'est le temps convenable que Dieu envoie, que Dieu envoie les pluies de bénédiction, les pluies de bénédiction. Je vois sur ta vie, je vois sur ta vie, dans ce temps de crise là, dans ce temps de crise là, je vois sur toi des pluies de bénédiction arriver. Alléluia! Alléluia! Je vois sur toi, je vois sur toi, les gens vont commencer à dire oh non, les mauvaises nouvelles sont partout, les gens sont en train de mourir, les entreprises sont en train de fermer, les entreprises sont en train de fermer. Oui, mon ami, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour Dieu, pour toi, pour moi, pour toi, 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 pour nous tous. Dieu envoie la pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction. Il envoie pour nous. Pour nous rassurer, il envoie la pluie de bénédiction. Je te dis de la part du Seigneur, je te dis de la part du Seigneur, même si la société ferme, on commence à enlever les gens. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, pour toi, il va t'envoyer les pluies de bénédiction. Il va t'envoyer les pluies de bénédiction. Il va t'envoyer les pluies de bénédiction. Regardez mes amis, regardez mes amis, regardez mes amis. La crise. Quand il y a crise comme ça, dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsqu'il y a crise, Dieu fait toujours une distinction pour ses enfants. Alléluia! Il y a des bénédictions pour toi. Il y a des bénédictions pour toi. Bénédictions sur moi. Que Dieu va souffler sur toi. Et c'est le temps convenable. C'est le temps convenable de recevoir ces bénédictions. Les pluies de bénédictions. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ma vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ma vie. Sur ta vie. Sur ma vie. Sur ta vie. La pluie. La pluie. La pluie. La bénédiction. La pluie. La bénédiction. La pluie. La bénédiction. La pluie. La bénédiction. C'est le moment. C'est le moment. C'est le temps convenable.
C'est le temps convenable que Dieu envoie. Que Dieu envoie les pluies de la bénédiction. Je prie le Seigneur pour toi maintenant. Les pluies de la bénédiction arrivent. Les pluies de la bénédiction arrivent. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous? Je te parle. Je vous à tout le monde ici. Pourquoi voulez-vous croire que maintenant, tout le monde est dans la crise, dans les peurs, dans les pleurs, dans les larmes? Pourquoi voulez-vous croire que c'est en ce moment-là maintenant Dieu va retenir la bénédiction? Pourquoi voulez-vous croire que c'est maintenant où tout le monde est en train de pleurer? C'est maintenant là Dieu va retenir la bénédiction? Non! Pendant que tout le monde pleure, pendant que le monde est paniqué, même nous-mêmes ici là, quand quelqu'un est malade ou que quelqu'un est dans la souffrance, il est dans la souffrance, on ne vient pas pour ajouter sa souffrance. On vient pour le consoler. On vient pour le fortifier. On vient avec les cadeaux. On vient avec ces choses-là. Le monde est malade. Le monde est malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va jeter sur toi la maladie. Je te dis ce soir. Je te l'annonce ce soir. Je te l'annonce ce soir. Les pluies de la bénédiction. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Les pluies de la bénédiction arrivent sur ma vie. Les pluies de la bénédiction coulent sur moi. Si tu ne crois pas, mais moi je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu que au temps de crise, au temps de crise, pendant que les gens pleurent, pendant que les gens pleurent, je viens pour essuyer les larmes, pour essuyer les larmes. Je viens maintenant pour répandre la bénédiction et je crois pour ma vie. Je crois pour ma vie. Les pluies de bénédiction arrivent. En ce temps de crise, pour moi, Dieu envoie les pluies de bénédiction. Dieu envoie les pluies de bénédiction. Pour toi également, je te parle de la part du Seigneur. Je te parle de la part du Seigneur. Les pluies de la bénédiction. Les pluies de bénédiction. Cours sur ta vie maintenant. 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 Cours sur ta vie de maintenant. Je m'arrête terminant en disant toutes les fois. Je vous dis de la part du Seigneur, toutes les fois, je me suis retrouvé dans des difficultés très, très dures. Toutes les fois, j'étais en difficulté. Un miracle, un grand miracle a toujours eu lieu. Alléluia. À chaque fois que la situation est grave, que la situation est difficile, Dieu, en ce moment-là, pour montrer que je lui appartiens, il envoie une plus grande bénédiction. Une plus grande bénédiction. Là maintenant, le monde est dans la crise. Le monde est paniqué. Le monde est dans la difficulté. En ce moment-là, maintenant-là, je vais envoyer. Je vais envoyer les pluies de bénédiction. Alléluia! Amen. Il envoie ça maintenant. Il envoie ça maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. J'étais à la calme. Je pensais à autre chose. La parole de Dieu m'est venue dans mon esprit maintenant. Clairement. Opala. Le moment arrivé. Je vais t'utiliser. Là, c'est Dieu qui me parle. Je vais t'utiliser. Avec une onction prophétique maintenant. Avec l'onction prophétique. Je dis au Seigneur. Seigneur, tu me surprends, Seigneur. Tu as dit maintenant, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser avec plus d'onction. Plus d'onction prophétique. Plus d'onction prophétique. Je te dis aussi de la part du Seigneur. Tu m'écoutes. Tu vas m'écouter. Vous m'écoutez. Vous qui allez m'écouter. C'est le temps convenable pour Dieu qui vous envoie ses bénédictions. Qu'il vous envoie ses grandes bénédictions. Une onction particulière. L'onction de Dieu
va tomber sur toi. Va tomber sur toi. En ce temps de crise, en ce temps de crise, une nouvelle onction. Une plus fraîche onction. Une plus fraîche onction. Va se reposer sur toi. Va se poser sur toi. Va se poser sur moi. Va se poser sur toi. Va se poser sur moi. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé d'avancer, de progresser. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Ces deux paroles, ces deux points, c'est le temps convenable. C'est le temps convenable que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu te lève. C'est le temps convenable. Là où tu t'es caché, de sortir maintenant. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps de crise là. Tu vas sortir. Le Seigneur va te pousser maintenant. Tu hésites, tu hésites. Tu hésites. Le Seigneur va te pousser maintenant. Il va te pousser. L'Esprit de Dieu, en écoutant cette parole, l'Esprit de Dieu te pousse. C'est ton temps maintenant. C'est le moment maintenant. C'est le temps maintenant où Dieu va envoyer la bénédiction, les pluies de bénédiction, les pluies de bénédiction, les guérisons vont arriver, les guérisons vont arriver, la réussite va arriver, la réussite va arriver. Vous qui faites les examens, vous qui faites les examens, c'est un moment difficile, c'est un moment difficile où les écoles sont fermées, où les écoles sont fermées. Il envoie sur vous ceux qui vont faire le CPE, ceux qui vont faire le BFM, qui vont faire le bac, les examens d'état. Le Seigneur envoie maintenant. Il envoie la pluie. Il envoie la pluie. Les bénédictions de réussite. Les bénédictions de réussite. Il envoie ça. Il envoie ça. Il envoie ça. Il envoie ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. C'est le moment, Seigneur. Pour ma vie, Seigneur. Pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. De se lever. De se lever. Et d'avancer. De se lever. Et d'avancer. Tout ce qui le bloquait. Au nom de Jésus-Christ, si c'est un homme, si c'est une femme qui veut te bloquer, c'est trop tard. C'est trop tard. Le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Souffle sur toi maintenant. Tu es insaisissable. Imbloquable, on ne va pas te bloquer au nom de Jésus-Christ. Imbloquable au nom de Jésus-Christ. Tu as pris l'envol. Tu es parti, tu vas, tu avances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie encore pour toi. C'est le moment. Les pluies des grandes bénédictions. Les pluies de la réussite. Les pluies de la réussite. Aux examens, aux affaires, au travail. Partout où tu es. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable où la pluie de la bénédiction de Dieu, la pluie va couler sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Pour ta puissance qui est là. Pour ton onction qui brise des jougs. Pour ton onction qui brise des jougs. Je brise les jougs. Je brise les jougs. Je brise les jougs de blocage sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la vie, l'esprit. Je brise le joug. Le joug d'esclavage. De servitude. De rester en bas. Je brise ce joug sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette main là. Je brise cette main qui veut te stopper. Qui veut te stopper. J'enlève cette main là.
de ta vie, de la vie des enfants. J'enlève cette main sur ta vie, sur la vie des enfants, sur tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'enlève cette main. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse esprit de malédiction, toute malédiction, vaincu dans ta vie, vaincu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la pluie de bénédiction coule maintenant. Coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, une bénédiction, appelle notre bénédiction, une bénédiction, une autre bénédiction, les pluies de bénédiction arrive maintenant pour te consoler, pour te consoler, pour te fortifier, pour te fortifier, pour te fortifier dans ce temps de crise, dans ce temps de panique. Dieu te va te visiter par ses bénédictions. Par ces bénédictions de tout genre, la paix avec toi, la paix avec toi, la joie avec toi, la bonne santé avec toi, c'est plus de bénédictions coule dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Dites avec moi. Humiliez-vous. Donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, j'ai humilié ma vie toutes ces années. J'ai humilié mon cœur toutes ces années. J'ai humilié toute ma famille tout ce temps. Maintenant, Seigneur, tu as dit que le moment convenable pour l'élévation, Seigneur, c'est mon temps. J'accepte. C'est mon temps. De l'élévation. C'est mon temps. De l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, j'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction coule en moi. En ce temps de crise, la pluie de bénédiction au temps convenable. C'est le temps d'être consolé. C'est le temps d'être apaisé. C'est le temps d'être apaisé. C'est mon temps de pluie de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que la grâce soit avec vous. Que la bonne main de Dieu vous accompagne dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, partagé la parole de Dieu. Que tout le monde dise amen. Amen. Que la grâce soit avec vous. Alléluia.